Bonjour mes téléspectateurs, auditeurs et auditrices de la radio Télé La VDC, la voix de la démocratie congolaise en collaboration avec Congo Forum. Votre charmante Solange Pliakas vous invite à suivre la revue de presse des séjours depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne. Voici la lecture de la revue de presse. Radio Télé La Voix de la démocratie congolaise en collaboration avec Congo Forum de ce mercredi 20 juin 2012. La visite à Kinshasa de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, dont le pays est soupçonné d'appui aux mutins qui sèment l'insécurité à l'est de la RDC, ainsi que la reprise du procès Tshebea, activiste de droits de l'homme assassiné en 2010, sont le sujet à la une de journaux parus ces jours en RDC. RDC-Rwanda. L'Observateur publie. Sous le titre « Louise Mushikiwabo à Kinshasa pourra apaiser la tension ». Arrivée lundi 18 juin à Kinshasa, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, s'entretient mardi 19 juin avec son homologue congolais, Raymond Tshibanda, sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, en présence de leurs experts de questions de la défense et de la sécurité. La question de la mutinerie en cours dans l'est de la RDC, dont le Rwanda est accusé de soutenir en hommes et en armes, est évoquée spécialement. Louise Mushikiwabo a d'abord été reçue le mardi matin par le chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Je suis officiellement en RDC pour une réunion des institutions diplomatiques et de sécurité sur le soutien du Rwanda dans la résolution de la crise dans l'Est, a-t-elle affirmé à la presse après l'audience avec Joseph Kabila. Toutefois, elle a refusé de se prononcer sur les accusations de Kinshasa sur le soutien de son pays aux mutins du mouvement du 23 mars, AM23, en indiquant que l'opinion doit être éduquée et comprendre que le Rwanda a longtemps travaillé pour la pacification de la région de Grand Lac. La diplomate rwandaise a exprimé la volonté de son pays d'assister la RDC dans son travail de stabilisation. L'offensive diplomatique congolaise. Du côté congolais, dans une offensive diplomatique, le ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Raymond Tshibanda a effectué ces derniers jours une mini-tournée à Kampala, en Ouganda, Dar es Salaam, en Tanzanie, Bujumbura, au Burundi et Luanda, en Angola, pour évoquer avec le président de ces pays la situation sécuritaire au Nord Kivu et l'implication de plus en plus avérée de l'un des pays voisins dans la détérioration de cette situation, selon un communiqué de ses services, dans lequel le Rwanda n'est jamais nommément cité. Dans une déclaration faite vendredi 15 juin, où le Rwanda n'est pas cité, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé à une enquête complète à la suite de ses rapports crédibles sur le soutien extérieur apporté aux groupes armés dans cette province. Le mutin, regroupé aujourd'hui au sein du mouvement du 23 mars, dirigé par le colonel Sultani Makenga, sont depuis mi-mai installés sur plusieurs collines dans une petite bande du parc de Virunga, frontalière avec l'Ouganda et le Rwanda, où l'armée ne parvient pas à le déloger, en dépit de feux nourris de son artillerie. Quels arguments de poids va apporter Louise Mushikiwabo dans un discours dont l'introduction, le développement et la conclusion sont d'avance connus par le Congolais qui ne sont plus dupes du jeu trouble qui n'a cessé de jouer l'un de 9 voisins de leur pays pour essayer de convaincre l'opinion nationale et internationale. Que peut-on attendre de la énième visite de la diplomate rwandaise en RDC sur le plan sécuritaire au Nord Kivu? Un apaisement, une cessation des hostilités entre le belligérant, le rétablissement
rétablissement de la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC la plus bouillonnante du pays, ni l'un ni l'autre l'immédiat. Kinshasa-Kigali. Le limite des accolades diplomatiques titre pour sa part le Phare qui prévient qu'au-delà des embrassades diplomatiques, Kinshasa ne doit pas se laisser distraire par ses rituels protocolaires et parler cette fois d'une voix forte contre la déstabilisation et exiger que le soutien lui proposé par le Rwanda consiste plus à rappeler ses éléments opérants au sein du M23 qu'à le reprocher aux mutins. D'où note-t-il, Kinshasa devrait demeurer toujours préoccupé par la situation réelle du terrain et son impact sur son intégrité territoriale, sa souveraineté, ses mines, ses citoyens, sa stabilité politique. Affaire Tchébéa. Radio Okapi pose fort bien la question qui résume tout le problème. Le général Numbi comparaîtra-t-il comme prévenu au procès en appel? Le général John Numbi va-t-il être appelé à la barre comme prévenu? La question a été au centre de la première audience en appel dans l'affaire Tchébéa. Le parti civil a plaidé pour la comparution du général, qu'elle considère depuis toujours comme étant le suspect numéro un dans l'affaire du double assassinat de militants des droits de l'homme Floribert Tchébéa, ancien directeur exécutif de l'ONG La Voix des Sans-Voix, et dans son collègue chauffeur fidèle Bazana. Le 2 juin 2010, le corps de Floribert Tchébéa a été découvert dans sa voiture à l'ouest de Kinshasa. Son collègue et chauffeur fidèle Bazana, qui l'accompagnait la veille à un rendez-vous avec l'inspecteur général de la police de l'époque, John Numbi, a été déclaré mort, mais son corps n'a jamais été retrouvé. À l'ouverture, mardi, du procès en appel, le parti civil a demandé à la cour de faire comparaître le général Numbi comme prévenu et non pas comme renseignant, tel qu'il a été entendu au premier degré. De plus, elles ont affirmé que l'exploit, l'acte du huissier de justice qui devait renvoyer l'affaire Tchébé en première instance devant la haute cour militaire avait été raturé. Le mot haute avait été effacé et l'affaire fut renvoyée à la cour militaire dont le juge n'a pas qualité pour juger un officier supérieur militaire ayant le grade de lieutenant général, en l'occurrence le général John Numbi. La cour a pris l'affaire en délibéré. Après la réplique du ministère public le 17 juillet prochain, la cour se prononcera sur la demande de partie civile qui veulent voir le général Numbi figurer dans le box des accusés. Le Phare titre. L'incroyable histoire d'un exploit falsifié. Ce journal rappelle d'abord le fait et précise. Le procès des assassins de Tchébéa, du nom de l'activiste de droits de l'homme, retrouvé mort à Mitendi sur la route de Matadi, a repris mardi à la haute cour militaire sur fond d'une préoccupation, la comparution ou non du général Numbi, principal suspect, selon le parti civil. Celles-ci ont vivement réclamé sa comparution comme prévenue devant cette nouvelle juridiction, alors que la défense, particulièrement la République, persistait à demander à ces nouveaux juges de faire respecter la loi qui ne reconnaît au second degré, que le parti qui en prit part au premier degré, écrit-il. Le Phare note que l'assistance a été surprise d'apprendre à cette occasion que le magistrat militaire instructeur du dossier avait mentionné, dans son exploit en 2010, que le dossier devait être transmis à la haute cour militaire. Selon les avocats de la partie civile, poursuit le journal, c'est un fonctionnaire qui aurait biffé la mention haute pour ne laisser que cour militaire. Conséquence, le général John Numbi, considéré comme premier suspect, ne pouvait être inculpé. L'accusation demande à la haute cour militaire de corriger l'erreur et de transformer John Numbi en prévenu. Ce que n'admet pas la cour,
qui estime que ce général n'ayant pas été poursuivi au premier degré ne peut l'être au second, rapporte le Phare. Divers. L'Observateur intitule son éditorial « Notre indépendance en question ». Dans exactement 10 jours, rappelle le confrère, le Congolais vont commémorer le 52 ans de leur accession à la souveraineté nationale et internationale. Le moment est venu, d'après l'Observateur, pour nous arrêter et nous regarder en face pour voir sans complaisance ce que nous avons effectivement fait de notre pays. Et l'éditorialiste de s'interroger, 52 ans après, quel bilan pouvons-nous tirer de notre gestion? La tempête des tropiques s'intéresse à la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Du 20 juin au 19 juillet, l'Assemblée nationale sera en session extraordinaire, annonce la tempête des tropiques. Selon ce journal, les élus du peuple procéderont à l'examen du projet du budget 2012 et à l'évaluation du processus électoral. Deux matières qui promettent des débats houleux et passionnants au sein de l'hémicycle. En tout cas, estime le journal, un mois risque d'être insuffisant au regard de l'intensité de matières à traiter. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre charmante Solange Pouliakas depuis Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise. À demain. Remercions pour votre fidélité sur la radio-télé La VDC et nous vous demandons de rester toujours branchés sur notre site www.lavdc.net.